Bonjour les CP. Alors, petite vidéo pour faire une dictée, la dictée de mots-outils qui était à faire pour cette semaine. Alors, nous avons plusieurs mots-outils. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous les dicter. Vous allez les écrire sur une feuille de papier. Et lorsque vous les aurez écrits, eh bien moi, je vous indiquerai la correction sur le petit tableau que j'ai ici. D'accord? Alors, on va commencer par le mot-outil. Il. Il. Je vous laisse un petit temps pour l'écrire sur votre ardoise ou sur votre feuille de papier. Il. Alors, il s'écrit facile. I. L. Il. Il. Voilà, donc avec un I et un L. Facile, on le connaît tous. Le deuxième mot outil, vous allez écrire L. L. Voilà, vous allez prendre un petit peu de temps pour l'écrire. L, mot outil assez facile. C'est bon? Alors, comment est-ce qu'on écrit L? On l'écrit E, L, L, E, L. Voilà, on va passer à un mot outil suivant. Le mot outil jamais. Jamais. Un petit peu plus compliqué à écrire. Je vous laisse le temps de l'écrire si vous voulez. Jamais. Alors, jamais s'écrit avec un J, un A, un M, un A, un I et un S. On connaît ce son-là, le E à I, et on n'oublie pas le S à la fin. Jamais, avec le S qui ne se prononce pas. Jamais. Donc on a il, elle, jamais. Le mot outil, maintenant on va mettre un mot outil suivant. Le mot outil son. Son. Je vous laisse un petit peu de temps pour l'écrire. Son. C'est bon? Alors, son s'écrit avec un S, un O et un N. Son. Le S qui fait le son S, O et N qui fait on, ça fait son. C'est assez facile. Mon outil suivant, ça. Super simple. Ça. Moi, oui, avec un S. Et avec un A, ça. Alors les mots outils que l'on a écrits pour l'instant, il, elle, jamais, son, ça. Et maintenant vous allez écrire le mot outil c'est. 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 Je vous laisse un petit peu de temps pour l'écrire. C'est. Allez, c'est. Ça s'écrit avec un S, un E et un S. Il, elle, jamais, son, ça, c'est. Maintenant un petit peu plus dur. Vous allez écrire le mot outil toujours. Toujours. Un petit peu plus long, mais en faisant les syllabes, normalement, vous arriverez à l'écrire. Toujours. Je vous laisse un petit peu plus de temps pour l'écrire, celui-là. Toujours. C'est bon? Allez, on écrit toujours. Avec un T, O, U, qui fait la syllabe tout. Tout, jour. Et puis une petite lettre muette qu'il ne faut pas oublier, c'est le S. Toujours. Touj, Jours. Toujours. Il est facile, sauf qu'il y a le S qu'il ne faut pas oublier à la fin. Et enfin, le dernier mot-outil qu'il faut apprendre pour cette semaine, c'est le mot-outil souvent. Souvent.
On connaît tous les sons. C'est pareil, on peut au moins essayer de l'écrire. Souvent, on arrive à le faire. Je vous laisse un petit peu de temps pour l'écrire. Souvent. C'est bon? Allez, souvent. Souvent. Alors j'écoute les sons. Souvent. S-O-U pour faire sous. Souvent. Et je n'oublie pas le T à la fin qui est muet. Souvent. S-O-U-V-E-N-T. Souvent. Alors on récapitule depuis le début. Les mots outils de la semaine, il, elle, jamais, son, ça, c'est, toujours, souvent. Voilà. Donc vous allez pouvoir les réécrire à la maison tranquillement si jamais vous avez fait des erreurs et n'hésitez pas à les répéter plusieurs fois. Les parents, lorsque vous faites passer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre pause à la fin de chaque mot-outil pour que votre enfant ait le temps de l'écrire avant de faire la correction. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.